Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je viens vous montrer les meilleures glycérines éclaircissantes que moi j'utilise et que j'ai déjà utilisées. Mais avant, je tiens à dire merci à tous mes abonnés. Ça me touche énormément. Ça me va vraiment droit au cœur avec tout ce que vous faites pour moi. Les encouragements, les messages et tout. Et si tu es nouveau ou nouvelle, je te souhaite la bienvenue. Ma chaîne, c'est une chaîne de partage. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu passes là ou dans ma chaîne. Ok, mes chéris? Donc, partagez la vidéo, regardez la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de me laisser des petits commentaires, ok? Donc, aujourd'hui, je viens vous présenter mon top des glycérines éclaircissantes. Vous savez, dans la plupart des produits cosmétiques, les composants, parfois, on y trouve la glycérine. C'est un très bon hydratant. Ok, mes chéris? La glycérine aide à assoupir la peau. Ça adoucit la peau. Ça rend la peau lisse. Ça protège la peau également. Je vous conseille d'utiliser la glycérine en le mélangeant, mais ne l'utilisez pas sec, ne l'utilisez pas tout seul. Surtout les personnes qui ont la peau dure, la peau de crocodile, comme on dit parfois, la peau vraiment très très dure. Moi personnellement, je l'utilise beaucoup pour mes mains, les genoux, les coudes, les endroits vraiment qui sont durs à traiter. Ok, mes chéris? Donc, il faut l'utiliser, il faut pas l'utiliser pur, comme je vous dis, il faut l'utiliser soit avec de l'eau, vous mélangez avec de l'eau, soit vous ajoutez avec une huile éclaircissante ou dans le lait. Ok, mes chéris? Si vous utilisez pur, ça va assécher la peau. Ok, ça va assécher la peau et ça va encore créer d'autres problèmes. Ok, il faut couper avec de l'eau ou avec de l'huile. Ok, donc même sur le visage, même si tu veux le mettre sur le visage, essaie de le couper avec de l'eau. Moi, je le coupe avec, pour mettre sur le visage, je coupe avec le gel d'aloe vera. C'est très très bien. Vous essayez, vous allez voir, je coupe avec le gel d'aloe vera, je le mélange dans la glycérine et je mets sur mon visage. Surtout l'hiver, quand il fait froid, je le mets sur mon visage pour protéger mon visage. On en a besoin, ok? Donc, parfois, il faut accompagner avec les gommages pour avoir un bon résultat, ok? La glycérine est vraiment super. Ça unifie le teint, ça hydrate et ça protège la peau également. Je vous laisse regarder. Je vous dis à très bientôt. Ciao!